Y'a Préjean, c'est Verxio, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dofus. Donc j'espère que vous allez bien. Et comme vous avez vu dans le titre et dans la miniature, on va parler des tanières aujourd'hui, puisque j'ai eu un accès à la bêta fermée. Donc la bêta fermée a commencé hier à 8h du matin. Moi j'ai pu me connecter vers 11h. Et hier j'ai vraiment beaucoup farmé. Alors je vais vous montrer à peu près mes stuff, hein, mon stuff que j'ai réussi à obtenir avec mes potes, donc Zolink et. Un nom, on a réussi à farm les bouffetous et du coup on a pu craft 3 stuff, enfin non, on a droppé 3 stuff bouffetous et je vais vous montrer les jets qui sont vraiment des jets de ouf. Je vais vous présenter à peu près tout ce qu'il y a sur les tanières, qu'est-ce que c'est exactement et on va toutes les faire. En fait, on va faire la quête, on va faire entièrement la quête dans cette vidéo. Je vais tout vous montrer et tout vous expliquer. Alors, moi j'ai eu un bug, contrairement à beaucoup de monde. J'ai essayé de faire la vidéo hier et le problème c'est que moi, j'avais fait la tanière du bouffetou d'Incarnam et le problème c'est que la tanière des tofu était bloquée, je n'avais pas accès à mon personnage, je ne pouvais pas accéder, il y avait un bug et les modérateurs me l'ont débloqué ce matin et du coup j'ai été bloqué à la première tanière, donc j'en ai profité pour avec mes potes aller drop 3 stuff bouffetou. Du coup, comme d'habitude, si vous voulez participer au concours pour gagner des kamas, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube, vous laissez un like, un commentaire constructif et vous abonnez. Je suis sur Oshimo. Même si vous n'êtes pas sur serveur, vous pouvez toujours laisser un like pour récompenser le travail fourni. Donc, allez, ça c'est parti. Maintenant, je vais vous expliquer un peu quelque chose sur ce serveur et déjà l'économie. Alors, déjà l'économie, là vous voyez que j'ai 26 000 kamas. Alors, c'est vraiment pas mal 26 000 kamas, sachant que tout le monde a commencé à zéro. D'accord? Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait pour up niveau? Là, je suis déjà niveau 40. Alors, j'ai beaucoup drop pour avoir ma coiffe bouffetou aussi. Alors, comment j'ai up à ce niveau? Parce que je vais voir que je pense certains d'entre vous qui ont eu accès aussi à la bêta fermée, vous avez peut-être eu plus de mal à up. Tout simplement pourquoi? Parce que si vous sortiez d'Incarnam, donc moi, comme j'avais pas accès aux tanières, je ne pouvais pas les tester. Du coup, je suis sorti d'Incarnam et les mobs avaient 10 étoiles chaque mob, c'est-à-dire un bonus de 200% de butin et XP. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pex et j'ai drop. J'ai aussi fait des quêtes journalières qui me rapportaient 10 000 kamas chacune. Et du coup j'ai pu me stuff, mes FM tous mes items. Et là je vais enfin pouvoir faire toutes les tanières et vous les présenter. Donc niveau caractéristique, j'ai augmenté 100 de base pour avoir 100 de force en plus. Parce que j'ai fait un steamer full force. Et du coup il me restait 45 points pour mettre en vitalité. Et là vous pouvez voir quand même que niveau 40 j'ai 1255 de vitalité, les gens PAPM. Et 8 PA, 4 PM. Alors là vous allez vous demander comment j'ai fait pour avoir autant de vie, autant de PA et autant de PM. Alors aussi vous pouvez sûrement voir que les gens là ils ont des stuff qui ne sont pas connus sur Dofus Touch officiel. Je vais vous expliquer qu'est-ce que sont ces stuff étant donné qu'il y a vraiment eu une mini refonte d'Incarnam, parce que l'Incarnam n'a pas totalement une refonte, mais les tanières ont changé beaucoup de choses et je peux vous dire qu'Ankama nous cache quelque chose étant donné que il ne va pas avoir que des tanières à Astrub étant donné que j'ai découvert une nouvelle tanière que là je vous montre le screen. J'ai découvert une tanière en allant à Tenella alors que ce n'était pas du tout le sujet de cette bêta fermée, le sujet était Incarnam et ils vont mettre en fait je pense des tanières dans tout Dofus et ça c'est vraiment énorme. Du coup maintenant je vais vous montrer vite fait mon petit stuff avant qu'on commence. Donc alors, ah oui, non, il faut que je vous montre quelque chose avant, c'est qu'on a un petit PNJ, donc ça c'est assez sympathique. Donc au niveau des clés pour accéder à cette tanière, c'est pas des clés, c'est des badges. Donc, moi j'en avais acheté 20 de chaque pour pouvoir les farmer. Et vous avez un peu de tout, vous avez un Kama U les badges, vous avez des potions de Vanta un Kama, vous avez les potions de Brakmar, pareil, vous avez quelques familiers, vous voyez. Vous avez des pains des champs aussi, alors ça je sais pas si ça a été pour le jour, en tout cas moi j'en ai acheté il y a pas longtemps. Et là vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant, c'est les runes. Les runes, vous pouvez voir qu'elles sont à 10 Kama U. Et vous allez vous dire, mais attendez, en une semaine, t'as pas le temps de monter un métier. Surtout, il faut tout dropper, etc. Non, en fait, l'avantage, c'était que les modérateurs qui se situaient sur cette map avec le PNJ, il suffisait de leur demander le staff en Kama et les modérateurs. Et généreusement, ils nous mettaient 3 métiers forge mage que l'on voulait. Et moi, du coup, pour faire mon stuff bouffetou, j'ai demandé corps de mage, costumage et forge mage de marteau. Et mon pote Zolink a pris corps de mage, costumage et joyau mage pour qu'on puisse FM entièrement notre stuff. Du coup, là, au niveau de mon stuff, là, vous voyez de suite une coiffe bouffetou à 120 vita, 42 force. Donc, un jet, je m'en fous, un intel, je mettais vraiment full force. Donc, un jet parfait. Hormis un tel et 120 de vitalité. Alors vous devez sûrement vous demander comment en faire. Alors ce serveur n'a pas de bonus au niveau de l'FM, c'est vraiment des FM qui sont possibles et comme j'ai autant de runes que je veux, je pense que je vous ferai des tutos ExoPAPM et OverVita sur cette bêta fermée qui je pense va être très sympathique.
Ensuite, j'ai un petit marteau du bouffetou que j'ai fait, 150 de vita, donc vraiment un gros jet. Sachant que de base, il y a juste un d'invocation que je n'ai pas besoin. Une cape bouffante, alors là, les gens, 180 de vitalité, alors que normalement c'est que 50, il n'y a pas d'initiative, mais je m'en fous un peu. Une boulot, donc j'ai farmé les bouffetous pour drop et tout ça, elle a trop de vitalité. Une bouffe-botte, alors là, un jet de malade, les gens, 60 de vitalité, 1 PM. Une ceinture de bouffetou, 150 de vitalité. Un arachnoton, 120 de vitalité. Un anneau de bouteau clair, un PA 30 de vitalité. Et pour finir, une amulette de bouteau, 120 de vita, 9 de force. Donc maintenant qu'on a tous ces stuffs, on va partir aux tanières. Et on va commencer à la première tanière. Donc pour cela, en fait, vous devez vous rendre à la tanière. Ça, c'est la toute première, hein, d'accord. Donc vous, quand vous aurez la mage en juillet, vous devrez vous rendre à cette tanière pour commencer. C'est la toute première tanière, hein, je précise bien. Et là, en fait, vous allez parler à ce PNJ. Alors moi, j'ai déjà lancé la quête. Et en fait, ce PNJ va vous... Vous allez lui parler tout simplement et vous allez en venir à ça et vous allez pouvoir affronter des mobs. Donc pour pouvoir les affronter, vous allez devoir avoir les badges comme je vous ai dit. Pour obtenir les badges, vous devrez les drop sur des mobs. Donc les mobs d'Incarnam vous permettront de drop ces tanières. Donc là, je clique dessus, je fais demander à affronter le bouffeton sombre et du coup on va se faire tout cela. Hein. Donc on va attaquer le bouffeton sombre. Alors normalement il est assez facile étant donné ma vitalité, ma force, etc. Parce que j'ai un stuff vraiment cheaté, hein. Je ne sais pas du tout un stuff de mon niveau. Même sur officiel. Là, le stuff, si vous voulez, sur officiel, il coûterait dans les 250 millions, pour vous dire. Regardez comme je rock à ce niveau, sachant que là, j'ai pas posé l'arponeuse, hein. Donc, je vous mets en accéléré à chaque fois qu'il y aura un combat comme cela. Comme ça, ça va être plus intéressant pour vous de voir en accéléré x3 et que je puisse tout simplement tout vous expliquer, que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors là, c'est des bouffetous qui sont assez rapides, donc on va quand même les faire ensemble. Alors, je vais faire une grosse dédicace. Donc, normalement, il doit avoir son personnage. Donc, désolé, Zolink, il n'y a pas ton personnage là. Mais je devais faire une dédicace à Zolink, à Blinder Y, à donc des abonnés, hein, après, à Tyre. Et Punisher XX, donc merci à vous les gars de me soutenir et merci Zolink pour m'avoir aidé à farm la panneau bouffetou. Donc la parée en plus, donc l'avantage des 8 PA avec à ce niveau, parce que du coup j'ai un exo PA grâce à... Qu'est-ce que j'ai mis en exo PA? Grâce à l'anneau de Bouze Leclerc, j'ai un exo PA. Mais c'est pas seulement ça l'avantage. L'avantage c'est que j'ai un stuff bouffetou entièrement FM. Et du coup ça va me permettre de tout simplement avoir 8 PA et de pouvoir faire ses sorts. Alors aussi faites attention, les mobs célestes ne sont pas déplaçables. Donc si jamais vous êtes un Yop, ça sert à rien de rusher au corps à corps et de vouloir faire des intimidations, ils ne sont pas déplaçables. Donc voilà, donc maintenant je vais mettre en accéléré avec une musique et à chaque mob je ferai cela. Les gens, quelque chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est que sur chacun de ces mobs célestes, donc il y aura toujours un sombre et un céleste, vous pourrez drop sur les célestes un stuff associé à ce mob, à cette tanière. Du coup les stuffs sont vraiment pas mal du tout, je trouve que c'est vraiment énorme la mise à jour des tanières tout simplement. Là vous pouvez voir, on va voir le stuff directement, vous faites panoplie et vous pouvez voir que cumuler les bonus, ça rajoute vraiment pas mal du tout un stuff de niveau 20, vous voyez, 20 de puissance, 150 de vita, 40 de fuite, 1 d'invoque, donc c'est pas mal pour les Oza, mais c'est vraiment de très bons stuff. Après maintenant on va un peu tous les faire, hein, je vais vous les montrer.
Je vais vraiment tout vous montrer. Alors au niveau du donjon Incarnam, vous voyez que les mobs ont changé. Il y a toujours le Millimilo, toujours les mêmes succès. Et faites attention parce que le gros bémol de ça, je trouve c'est pas une bonne idée. Si jamais mon camarade voyait cette vidéo, ce serait pas mal de le changer. C'est au niveau du succès. Il y a un succès, le succès 1PM zombie. Le problème c'est qu'il y a l'arachnée luminescente ou arachnée immature, je ne sais plus, qui peut tout simplement enlever des PM. Et le problème c'est que au deuxième tour elle enlève 3 PM et du coup le succès n'est plus abordable. Et le problème aussi c'est que le succès est, vous pouvez le déverrouiller au niveau 40. Et je pense personnellement que c'était une meilleure expérience pour les bas niveaux d'avoir leur premier succès de donjon dès niveau 10. Et je trouvais ça vraiment sympathique. Après je pense que le donjon pourrait rester comme tel, mais en baissant un peu le niveau des mobs, étant donné qu'il était déjà pas mal quand même, comme DJ il était vraiment très bien fait, et en remettant les succès. Maintenant on va passer à la forêt, donc la forêt, non on va en parler après la forêt, on va faire dans l'ordre. Donc dans l'ordre il y avait la prairie avec les, le bouffeton sombre, donc là pareil vous avez rien à drop des stuff. Par contre le bouffeton céleste, vous avez le drop du bouffeton céleste, la panoplie du bouffeton céleste niveau 10, qui vous voyez est vraiment pas mal du tout. Niveau 10 vous pouvez avoir un stuff 90 de vita, 30 de puissance. C'est vraiment quelque chose de pas négociable avec 8 à 10 de dommages quand vous êtes pas bas level. C'est vraiment un bon truc quand vous commencez le jeu. Par contre, le bémol, c'est que c'est lié au compte. Alors, je ne sais pas s'ils vont le laisser lié au compte, mais sinon, c'est un bon stuff. Alors, après, maintenant, on va parler du coup. Je vous ai déjà montré les tofu. On va montrer au niveau du lac. Donc là, c'est les pioux. Le pioux céleste niveau 30. Donc là, c'est lui qu'on va faire dès que j'ai fini de vous montrer cela. C'est le stuff céleste qui est vraiment énorme. Alors, lui, niveau 30. Franchement, ce stuff est vraiment extrêmement... Il n'est pas cheaté, étant donné que vous n'avez pas beaucoup de rocks, mais vous avez énormément de résistance. Alors, vous voyez, 8 à 10 de dommages, 55 de puissance, 155 de vitalité, et 6 à 10% de résistance all. Donc ça, c'est vraiment énorme, et c'est vraiment un très bon stuff. Ensuite, maintenant, niveau 30, du coup, on va passer à la forêt. Alors, attendez. Voilà, on va passer à la forêt, et donc là, il y a le sanglier sombre et le sanglier céleste, et vous pouvez voir le stuff du sanglier. Donc là, ça va être plus être au niveau des yops, des steamers comme moi, ou encore des obals qui ont des dommages poussés. Donc les obals, je crois que c'est plus à chaîne, ou plutôt des steamers et des yops, parce que vous avez 22 à 30 de dommages poussés, ce qui est vraiment énorme. Imaginez un yop qui a 22 à 30 de dommages poussés, qui rajoute 2 épées divines. Donc en gros, le yop là, roxerait du 100 à une seule intimidation contre un mur. Donc c'est vraiment pas mal comme stuff. 195 de vita, 10 de dommages. Après, dommage qu'il n'y ait pas... Ah, il y a quand même 50 de puissance aussi, le PM. Oui, ça c'est vraiment un bon stuff, niveau 40. Donc voilà, donc... je trouve qu'elle est vraiment énorme, cette mise à jour, les gens. Alors par contre, maintenant, au niveau du... et le dernier c'est au niveau de la des champs, non. Où est-ce qu'il y a le dernier? Attendez, je vais trouver de suite, hein, les gens. Ça va être au niveau de la... Non, pas de la prairie, sortie du temple, taverne. Voilà, au niveau de la... Non. D'accord, mais il nous montre pas les... Ah voilà, si, c'était au niveau de la friche avec l'arachnée sombre. Donc il y a l'arachnée sombre et maintenant on va chercher l'arachnée céleste. S'il le met dans la bestiaire, voilà, l'arachnée céleste qui a 500 PV. Et le stuff doit être encore plus cheaté, j'ai pas regardé. Donc un stuff de niveau 50. Qui rajoute 2 de PO, 1 PM, 5 à 8 de dommages, 240 de vita, 75 de puissance et de très bons retraits PA, PM et d'esquive. Donc vraiment parfait pour les Xelor. Ils ont vraiment fait des stuffs de tout niveau jusqu'au niveau 50. Donc Incarnam est maintenant disponible jusqu'au niveau 50 et c'est dommage qu'ils ne fassent pas la même mise à jour sur Tofus officiel. Et c'est vraiment énorme. Alors ils ont aussi changé la disposition au niveau de la map. Vous pouvez voir que les icônes ne sont plus pareilles. Et que il y a certains endroits qui sont beaucoup plus pratiques. Donc des espèces, vous voyez là, des petits chemins qui vous permettent d'aller directement, de couper des endroits. Par exemple, au niveau du lac d'Incarnam, vous allez voir de suite, on peut passer en plein milieu au lieu de voir faire tout le tour, ce qui est vraiment très pratique. Et la map a l'air de s'être agrandie, mais pas du tout. La map est toujours la même, juste elle est agrandie au niveau du design, mais au niveau d'elle-même, elle n'a pas du tout augmenté. Après, bah, au niveau des succès, c'est exactement la même chose. Alors moi, mon avis personnel sur, sur cette mise à jour, sur cette bêta fermée, franchement, ça fait longtemps que j'attendais une mise à jour, une aussi bonne mise à jour. Une mise à jour aussi qui valorise les bas levels, ça faisait très longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Moi, je jouais sur Dofus officiel, j'étais THL, donc moi ça me dérangeait pas, mais il n'y avait que des mises à jour THL, les gens. Et franchement, je pense que ça devait être extrêmement chiant pour les bas levels, ceux qui ne pouvaient pas s'abonner, qui faisaient tout le temps la même chose. Ça doit être vraiment ennuyant. Et maintenant, ils sortent une espèce de nouvelle quête. Donc oui, voilà, aussi c'est une quête, là vous voyez, moi j'ai d'abord battu le pieu sombre et le pieu céleste. Maintenant, il faut que j'aille battre le pieu sombre. Alors attendez. Oui, je pense...
J'avais déjà battu l'étoffe, donc maintenant il faut que je batte le pieu sombre et le pieu céleste. Et voilà, donc c'est vraiment une énorme mise à jour, surtout, je l'ai expliqué déjà les gens, c'est au niveau des niveaux de bas level, c'est vraiment énorme. Après je pense, un gros bémol, je pense qu'il faudrait quand même rendre moins puissants les mobs, parce que moi vous voyez j'ai un stuff à 1258 de vitalité que j'ai fait spécialement pour la vidéo, avec 8 PA, 4 PL, donc vous voyez je peux faire absolument tous mes sorts que je dois faire en un tour. Donc ça c'est vraiment énorme, j'ai 199 de force, donc ça aussi c'est pas mal du tout, ça m'aide énormément. Donc c'est, je pense que, moi j'ai essayé certaines tanières, donc notamment celle-là, sans être stuffé. Et je peux vous dire que pour certaines classes, ça va être très très dur les gens. Je pense notamment aux classes de corps à corps, alors Sacrieur ça va parce qu'il se booste, mais au niveau de Yop, des Kras. Après les Kras ça va parce qu'ils ont que 3 PM, mais au niveau des Yop, là vous voyez le Rox, le Pew Marox du sang. Alors pour moi c'est tranquille, pour moi c'est rien parce que je suis un steamer, mais enfin j'ai un gros stuff plutôt. Mais pour les gens qui n'ont pas l'habitude de, qui n'ont pas de gros stuff, du coup sur l'officiel, du coup moi-même j'aurais pas de gros stuff, j'aurais pas d'exopéa et de 180 vitalité comme cette cape bouffante. Je pense que ça sera trop dur pour eux et je pense qu'il faudrait baisser le niveau au niveau du Rox, uniquement au niveau du Rox. Aussi, un nouveau truc que vous pouvez voir, c'est que il y a comme un trousseau de clé pour les tanières, vous avez utilisé la boîte à badge, donc ça vous pouvez l'acheter ou alors ils vous la donnent quand vous lancez la quête, mais ça c'est pas mal du tout non plus. Donc voilà, donc j'ai donné mon avis pour cette mage, je vais finir toutes les tanières et j'espère que plus d'un d'entre vous va aimer cette mise à jour. Alors quand même, je sais qu'il y a des youtubeurs qui ont fait des titres et qui ont parlé de la tanière alors qu'ils n'avaient même pas eu encore accès, je pense à Feka par exemple, et qui ont dit que c'était pour eux de la merde, carrément, complètement on va le dire, et ben ne gardez pas votre avis fixé sur ce qu'un youtubeur a dit, peut-être que même mon avis est faux, vous devez tester pour pouvoir tout simplement voir ce que vous aimez. Alors là au niveau du Pew Céleste, ça aussi, c'est pour ça qu'il faut vraiment baisser les dégâts, ils sont assez forts les mobs, et déjà qu'ils ont... déjà qu'ils tapent énormément, si en plus le Pew Céleste niveau 30 peut se foutre des 110% de résistance, alors aussi ce qui est pas mal c'est que non, il se met 85% de résistance, il fait moins 25 dans tous les éléments et il s'en met 2 en résistance. Mais le problème c'est que quand vous êtes bas level, que vous avez un mob qui vous redonne du sang et que vous avez pas de gros stuff et tout, c'est assez compliqué. Maintenant du coup niveau 30, donc on va passer maintenant au sanglier qui se trouve dans la forêt. Et vous allez voir que le décor a pas mal changé, parce que pour l'instant vous n'avez rien vu de changer à part au niveau des tofus. Maintenant les tofus ont les skins des, du digitofu tout simplement, et du digibatofu. Mais là il y a quelque chose qui va vous surprendre, ça va être au niveau des sangliers. Regardez-moi ces skins. Alors il y a mon pote qui m'a dit que apparemment c'était les skins de Wakfu. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais vous voyez quand même qu'ils sont pas mal les skins. Alors moi personnellement je pense que c'est dommage de faire... En fait ils ont fait moite-moite, ils ont gardé un peu l'ancienne version en gardant certains mobs, ils ont supprimé un peu en prenant une nouvelle version. Mais je pense franchement qu'il est mieux de... moi je préférais le design personnellement des anciens mobs ou des sangliers etc. Là du coup, ah oui aussi, vous ne pouvez pas affronter directement le céleste, vous devez d'abord battre le sombre pour pouvoir affronter le céleste. Alors là par contre il y a quelqu'un qui me parle en espagnol, alors excuse-moi l'ami, donc Mascota c'est mon familier, je suis en vidéo de toute manière, je ne peux pas te répondre. Donc maintenant on va attaquer le sanglier sombre, alors la map est assez petite, il doit avoir 4 PM si je ne dis pas de bêtises, voilà 4 PM, 352 vita. Alors on m'a dit, étant donné que moi je n'ai pas pu faire, étant donné que j'avais un bug, voilà, si, enfin je me répète encore une fois, mais pour ceux qui me disent Versus, c'est pas bien, t'es sur une bêta fermée, il y en a d'autres qui auraient pu faire à ta place, toi au lieu de ça tu vas faire des FM et des trucs bouffes, je ne répète, je n'avais pas accès à cette bêta tout simplement parce que j'avais un bug sur mon compte. Donc c'est pour ça que je sais maintenant que je vous fais cette vidéo. Là vous voyez en fait je me suis trompé, oui non pardon je me suis pas trompé en fait, c'est uniquement, oui voilà, c'est bien uniquement les célestes que vous ne pouvez pas bouger. Ou alors c'était un bug hier, c'était peut-être un bug hier qui a été corrigé aujourd'hui, je ne sais pas. Alors maintenant vous voyez j'ai battu le bouffe tout son, maintenant je peux battre le sanglier céleste et là on va l'affronter. Et je pense qu'on va le laisser un peu Mrox pour que je vous montre un peu
Qu'est-ce qu'ils font? Alors là, il y a quelqu'un qui l'a chopé, donc voilà, il vient de repop. Donc vous voyez que les skins sont vraiment sympathiques. Après, j'espère que Dofus ne va pas changer entièrement le design du jeu, parce que franchement, le design du jeu, s'il y a un Stavankama qui m'écoute, il est vraiment parfait, il est vraiment parfait. Je trouve de faire quelque chose de trop moderne, de repartir dans l'optique de Dofus. Parce que là, je trouve, en fait, c'est parfait. Le juste le gros problème, c'est les skins qui sont beaucoup trop. Vous voyez là, par exemple, le Rox qui m'a mis. Donc voilà, donc ce que je voulais dire, c'est au niveau des Rox qui sont beaucoup trop puissants. C'est. Oui, non, pardon, je parlais des skins. Oui, c'est au niveau des skins. C'est. Pour moi, c'est. C'est trop. C'est. Ils sont trop futuristes, c'est trop avec. C'est trop bien fait, voilà. Avec les anciens, c'était vraiment. Je sais pas comment expliquer, mais après, c'est peut-être parce que j'ai mon expérience de Dofus et j'aime bien avoir. Garder les mobs comme ils étaient, mais je pense que le mieux c'est de ne pas passer dans une version trop futuriste et de garder des designs un peu anciens. Maintenant qu'on a fini le sanglier sombre et le sanglier céleste, on peut se diriger vers la racine sombre et la racine céleste. Donc, c'est parti là. Voilà les gens, donc là on est arrivé à la friche d'Incarnam et on va finir cette quête si je ne dis pas de bêtises. Alors je ne l'ai pas faite du coup, comme je vous ai dit, je ne pouvais pas. Et là j'ai plus que l'arachnée sombre et l'arachnée céleste à faire si je ne dis pas de bêtises. Et là je vais gagner des parties de la clé d'Incarnam. Alors je suppose qu'à la fin de la quête vous allez obtenir, on va obtenir une espèce de grosse clé ou un truc du genre, je sais pas, mais en tout cas ça aura sûrement un rapport avec le DJ Incarnam. Et je pense que ça va être assez sympathique. Alors on m'a dit qu'elle roxait de loin. Je pense qu'elle retire des PA et des PM vu le stuff qu'il y a des retraits PA et PM. Par contre elle a pas l'air d'avoir énormément de PA. Alors là par contre je pense que encore les autres mobs sont trop puissants. Y compris le sanglier, ils sont tous trop puissants. Mais là pour moi 420 vita au niveau 50, après faut voir son rox. Ouais non c'est pas suffisant. Elle rocks du 100 autant que les autres quasiment. Elle rocks un tout petit peu plus que les autres. Mais ouais mais non. Elle rocks un tout petit peu plus que les autres, mais elle a autant de vita, presque autant de vitalité au niveau 50. Donc à la limite vraiment tout réduire, mais pas l'arachné, il faudrait l'augmenter un peu. Ah elle m'a rocks du 130 quand même. Oui ça pique. Ouais, pardon, ça pique, ouais. Je sais pas, mais je pense la montée à 480-520 vita, ça serait parfait. Alors, j'ai terminé la quête. Ah non, non, j'ai terminé lutte contre Arachné Sombre. Donc là, ma nouvelle quête, qu'est-ce que ça va être? Donc, on va regarder dans la quête. Ah oui, il faut encore que j'affronte l'Arachné Céleste. Et là, vous voyez que le skin de l'Arachné Céleste est pas mal du tout quand même. Alors, l'Arachné Sombre, si, pour ceux qui connaissent bien, alors je sais pas si pour l'Arachné Céleste aussi, mais je crois juste pour l'Arachné Sombre, ceux qui connaissent bien Dofus officiel, vous savez que sur dans la forêt des Arachnides, il y a eu une refonte et que l'Arachné Sombre a exactement le skin qu'une certaine araignée, je ne sais plus laquelle, que dans la forêt. Donc là, on va se prendre du pain. D'accord, donc l'arachnée céleste est parfaite. Franchement, c'est là pour moi, c'est parfait. 5 PM au niveau 50. Elle a l'air, je pense, elle va beaucoup roxer. Donc on va rush hein, les gens pour vous montrer le rox. Je trouve que j'ai assez de vita, j'ai fait un stuff exprès pour gérer toutes les tanières très aimant et vous montrer cette mise à jour à la communauté. Alors on va voir son rox. D'accord, donc elle a un rock similaire à la sombre, je dis bien similaire, mais elle est parfaite. Franchement, au niveau 50, c'est ce que j'attends. C'est personnellement, je pense que c'est ce que quelqu'un doit avoir du mal à gérer, doit réfléchir pour gérer ce type de mob, parce que le problème, c'est que ce que je trouve ce qui est énorme avec cette mage des tanières, c'est que ça va vraiment apprendre les joueurs à jouer, à faire une tactique, à progresser dans le jeu, parce qu'il y avait trop de gens qui faisaient des stuffs à ça, qui XP niveau 100, 130, et ils avaient terminé, voilà. Donc ça c'était dommage, mais là avec les tanières c'est vraiment nickel, surtout s'ils mettent des tanières dans tout Dofus, et je pense que ça va être le cas comme je vous ai montré en début de vidéo. Donc je pense qu'on a fini, on a terminé à peu près de tout vous montrer.
après, enfin, j'ai terminé de tout vous montrer. Et donc, j'essaye de voir. Normalement, il n'y a plus grand chose. On peut faire le Digicarnam. Je vais vous mettre un Digicarnam en. Un Digicarnam, pardon. En accéléré. Avec une petite musique derrière. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Vous laissez un like. Ça fait toujours plaisir, les gens. Même si vous ne participez pas au concours, si vous n'êtes pas sur le serveur, là, je fais des vidéos avec de plus en plus de gros montages. Ça me prend de plus en plus de temps. Les gens, vous savez, c'est pas facile. Il y a certains aussi youtubeurs qui disent que les vidéos, c'est de la merde, ça prend pas du beaucoup de temps. Non, je suis désolé. S'il y en a qui s'appliquent. Et moi, ma vidéo, tout le montage pour faire un bon design, un bon commentaire, ça me prend entre 2 et 3 heures des fois avec l'upload et le montage. J'espère que vous pourriez récompenser ça en vous abonnant, en laissant un like ou encore vous abonnant. Voilà les gens, c'est donc la fin pour moi, pour mon commentaire. Je vais vous laisser avec la fin de la vidéo. Alors j'aimerais remercier Stéphane Kama qui a été vraiment cool durant cette bêta fermée. Aussi, vous pouvez me demander dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse comme vidéo au sujet de la bêta fermée. Je vais vous faire des exopa, des exopm aussi, des tutoriels sur la forge magie. Et aussi vous pouvez me demander si jamais je voulais que je fasse du PVP, des défis, ça peut être sympa, des 2v1 ou encore des 3v1, ça peut être toujours sympa. Alors je voulais aussi m'excuser pour la qualité du son étant donné que je filmais avec ma tablette et du coup il y avait tous les sons environnants, j'avais pas mes écouteurs là, j'avais rien d'autre pour enregistrer ma voix et du coup c'est pour ça qu'il y avait ces bruits environnants. Après au niveau du donjon Incarnam, alors franchement là je suis vraiment déçu, ils ont tout changé et là il est vraiment beaucoup trop dur. Il y a marqué que c'est un donjon de niveau 10, alors je pense que c'était un bug, ils allaient le modifier, mais le problème c'est qu'il n'est pas du tout adapté pour des débutants. Je pense qu'ils devraient faire un deuxième donjon peut-être, qui devrait laisser le donjon de base, donc le donjon Incarnam qui était pour le niveau 10 avec tous les succès. Lui il était vraiment parfait ce digi, quand vous commenciez l'aventure de Dofus, que vous ne connaissiez pas et que vous faisiez tous les digi Incarnam, ça vous permettait de, quand vous faisiez le donjon Incarnam pour avoir tous les succès, ça vous permettait de comprendre un peu le but du jeu et comprendre le système des succès. Et du coup, le fait que ce digi soit accessible par des niveaux 40-50, ce qu'encore moi, je suis niveau 40, mais je ne gère pas le boss si je n'aurais pas ce stuff aussi cheaté. Donc le problème, c'est que s'il faut qu'il y ait 8 niveaux 140 pour gérer ou 4 niveaux 40 pour gérer ce digi, je trouve que c'est vraiment dommage. Et je pense que c'est le seul truc qu'ils ont raté durant cette bêta fermée. Donc voilà, donc allez, je vous laisse avec la fin de la vidéo, c'est ce que vous avez à faire les gens. Allez, ciao ciao tout le monde.